Voilà, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, amis de Vitamine, de cette émission Vitamine du matin, et pour ma part pour le mardi matin. Donc, bien que Dieu vous fortifie ce matin et qu'il vous encourage. En tout cas, la pensée ce matin est que Dieu est un refuge. J'aimerais, je ne sais pas par quelles circonstances vous pouvez passer, mais que ce soit pour le péché, la Bible dit et nous invite à nous confesser du péché qu'on a pu commettre, par exemple, et à trouver en toutes circonstances un refuge en Dieu. Que ce soit dans l'adversité ou que ce soit même, bien, voilà, quand on a péché, eh bien, Dieu nous invite à venir nous confier en lui. On le voit, Jésus a fait ce reproche d'une certaine façon à Israël et à Jérusalem. Quand il s'est approché de Jérusalem, peu de temps avant sa crucifixion, Jésus a pleuré sur Jérusalem et il a dit « Jérusalem, Jérusalem ». Donc il a invoqué le nom de Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ? Eh bien, sachez que Dieu veut vous recevoir, Dieu veut vous écouter, Dieu veut entendre votre parole, même si vous êtes chargé, fatigué, au contraire, mais il est là pour vous encourager et pour vous un refuge. Je me souviens d'un épisode de ma propre vie sur le plan professionnel. En 1998, j'avais passé des moments très difficiles, il y avait d'énormes tensions internes entre la direction, entre les employés, et moi j'étais un peu entre les deux. Dans cette entreprise qui était une petite entreprise d'une quarantaine de personnes. Et ce jour, un jour, la direction m'a pris publiquement et ça a été très violent envers ma personne. Et j'étais très troublé ce jour-là, c'était un matin, en fin de matinée. Et je me souviens être rentré à la maison très accablé et très troublé, profondément attristé et désemparé. Et au lieu de retourner, enfin, au lieu de manger ce midi-là, je me suis mis un peu à l'écart. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé la porte et là je me suis confié dans le Seigneur. J'ai trouvé en lui un refuge puissant. Et je lui ai dit ma détresse et mes angoisses et mes inquiétudes. Et là, ce midi-là, Dieu m'a puissamment fortifié. J'ai trouvé en lui un refuge et il m'a puissamment fortifié à tel point que en sortant de ce midi, en retournant travailler, j'étais léger et sans crainte et sans fardeau et mon attitude a été complètement différente. J'ai pas eu de sentiment de colère ou d'amertume ou de ressentiment. Ça a été instantané, Dieu m'a libéré instantanément de ce fardeau, il m'a montré les choses d'une façon différente par son esprit. Et Dieu nous invite à être un refuge. David avait ce réflexe, quand on lit les psaumes de David, beaucoup de psaumes font référence à ce refuge. Dans l'adversité, David, face à ses adversaires, trouvait en Dieu un refuge. Il allait se confier en Dieu et trouver des forces en Dieu. Et il dira par exemple, l'Éternel délivre ses serviteurs. Dans le psaume 34, il va parler de cette délivrance, au psaume 36, « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Cherchent un refuge. Il dira dans le psaume 59, par exemple, verset 16, « Et moi je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Voilà, un refuge au jour de ma détresse. Alors ne nous privons pas, c'est même adressé, je vois au psaume 62, à tous les peuples. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence, Dieu est notre refuge. Eh bien, ne nous privons pas de ce refuge, allons se confier en l'Éternel et puis retrouvons des forces. Je vous souhaite une bonne journée, au nom de Jésus-Christ. Amen.